monde, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens aujourd'hui pour le second tuto. Donc là aujourd'hui on va faire le contenant pour accueillir ces petits œufs entre autres. Voilà, je vais vous laisser avec la vidéo en musique et puis je vous retrouve juste après pour clore la vidéo.
Terminée, j'espère que ça vous plaît. Je vous remontre peut-être en enlevant tout ça. Je vais vous remontrer un petit peu l'avant de cette caisse. Je trouve que franchement, j'aime bien le résultat.
Voilà, je trouve que le résultat est vraiment sympa. Alors, j'aurais pu peut-être affiner le papier d'imprimante pour que ça se voit un petit peu moins, mais enfin voilà, moi je trouve que c'est quand même assez sympa. Alors juste pour info, la caisse dont je me suis servie, c'est une caisse en bois toute simple dans laquelle on m'avait offert une bouteille de vin. Voilà, donc je crois que sur le couvercle il y avait marqué quelque chose. Bon bref, j'ai gardé le couvercle de côté peut-être pour faire une autre créa, je verrai. Et puis sinon, j'ai pris du carton de récupération, j'ai découpé du carton, d'un gros carton dans lequel j'avais reçu je ne sais plus quoi. Et puis donc les petits œufs et le lapin, ça vient de chez Action, donc j'avais trouvé ça je crois l'année passée, et puis je m'en étais jamais servie. Donc j'ai trouvé que c'était le moment idéal pour s'en servir. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça me fera plaisir d'avoir votre avis. Dites-moi si ça vous inspire et que ça vous donne envie de faire ce genre de petite création un peu farmhouse pour Pâques. Et puis, en attendant de vous retrouver, je vous souhaite, selon quand vous verrez cette vidéo, de très belles fêtes de Pâques. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous et puis à très bientôt. Ciao !